Oh putain! Oh les gars! Oh j'ai fait un malaise en plein! Mais comment ça m'emmerdait Marie-Martine, c'est pas possible! Toutes les sauvegardes seront supprimées, commencer un nouveau jeu. Ah bah oui! Ce serait quand même dommage de commencer un nouveau jeu sans sauvegarde. Ça commence quand? Non mais, non mais attendez, ça recule vraiment loin là, non? C'est bizarre quand même, hein. Vous trouvez pas ça lent? Attendez, encore 10 minutes, on y est. C'est le suspense. Je crois qu'ils appellent ça le suspense. J'ai payé le jeu sur Steam, hein, je tiens à préciser. Hein. C'est insoutenable. Hein. Attendez, faut que je ferme le jeu, je crois que ça a bugué. Ah! Allumez la lumière. Voilà. Oh, je la connais cette chambre d'hôtel, je... Commencez pas par contre à me faire chier parce que moi je vais péter un boulard. Une gifle, ça part très vite. Hein. La salle 10-30 vous attend. Ok, 1030. En avant, Martine. La porte est verrouillée. Ça commence. Quoi? Bouton central quoi? Ah, nouveau message. La molette. Where is... au niveau de stress. Pilule? Oh putain. Oui? Il s'en prend à vous. Il veut vous briser par la peur. Ne laissez pas cela se produire. Mais vous devez suivre mes conseils. Il y a des pilules dans le tiroir près du lit. Prenez-les. Ils rétabliront partiellement votre santé mentale. Vous trouverez les clés de la porte quelque part dans votre chambre. Ça commence. Non, arrêtez d'appeler. Comment on sort de là? BCS, c'est quoi? Bouton... Ok, c'est le centre. Ah non. Ah non, non, non. Non, non, allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Donne la pilule. Avale la pilule, Marie-Martine. Oh non, non, non. Moi, j'en ai marre de ces jeux de merde. Ça va pas commencer, j'ai pas signé pour ça. Ah putain, et arrête d'appeler toi, ça suffit maintenant hein. J'en peux plus hein. Fois c'est marrant, deux fois c'est marrant mais... Oh, le petit coup de pression. Le petit coup de pression, excusez-moi, ça m'arrive de temps en temps. Les petits coups de pression comme ça, ça arrive, ça vient, ça repart j'ai envie de dire. Ça m'a parlé des clés. Ça m'a dit les clés elles sont quelque part. Elles sont où les clés? Donne-moi tes clés de mort là. Tu sais que je sens que ça va me péter à la gueule et que je vais pas être prête. Je le sens venir, mais gros comme une baraque à frites. Voilà. Y'a quelqu'un? S'il y a quelqu'un qui se manifeste maintenant, hein, comme ça on en vient aux mains tout de suite. Je te décolle une grosse Will Smith et on n'en parle plus. Hein. Emballer c'est peser comme dirait Martine. Hein. Donc... Si tu veux, on se fout sur la... Здравствуйте. Мы рады приветствовать вас в нашем отеле. Наш персонал будет сопровождать вас на протяжении всего вашего пути. Чтобы лучше понять наших гостей, мы проводим небольшой опрос. Лист с вопросами вы найдете в комнате 10.30. И помните, если с вами пытается связаться кто-то кроме персонала отеля, не слушайте его и не следуйте его советам, la 1030, mais je m'éloigne là. Спасибо за внимание. Par contre, je parle pas le russe, mais merci des sous-titres. En choisissant votre chemin, souvenez-vous que vous pouvez le rencontrer n'importe quel coin de rue. Hein? Soyez prêts pour cela, trouvez la chambre 1030 et je vous dirai quoi faire ensuite. Mais déjà, mais donne-moi un GPS! Oh putain. Ça va commencer. Oh putain. Ah non. Commencez.
Commencez pas à me faire chier, je vais m'énerver. C'est la mille coins? Mon perso, il tangue, hein, il est pas bien. La mille combien? Mille trente. Elle y est pas en plus, ils se foutent de ma gueule. Mais c'est extrêmement mal rangé. Mais c'est de la merde. C'est extrêmement mal fait. Oui, je crois qu'il y a des jumpscares, des trucs comme ça dans le jeu. Surveillez votre niveau de stress et votre santé mentale. Plus votre niveau de stress est élevé, plus votre niveau de santé mentale diminue rapidement. Si votre santé mentale tombe à zéro, vous aurez perdu. À chaque défaite, le jeu devient de plus en plus difficile. Vous pouvez restaurer votre santé mentale à l'aide des pilules. Vous pouvez vérifier votre état. Arrête! C'est quoi la touche pilule? Donnez-moi les pilules. Utilisez la pilule R. Vous jouez un tour. La tour de la radio marche, mais bientôt, le diable vient. Mais casse pas les couilles, toi! Comment ça m'emmerder, Marie-Martine? Excusez-moi. Hein. Mais il n'y a pas la 1030, ça me fait... Ah putain. Ah putain de merde. Arrête. Comment ça la porte est verrouillée? Mais j'ai la clé. J'ai la clé. Open the door please. Open the door. Putain mais j'ai... Putain. Mais comment ça? Mais comment ça? Mais j'ai la 1030 là, il se fout de ma gueule. Aide-moi. Aide-moi. Please. Help me. Help me. Bah, il se fout de ma gueule. Sésame. Ouvre-toi. Ta mère la truite. Hein? Tu comprends ça quand je te parle? Ouvre-toi. Oui, je te dis de t'ouvrir. Ouvre-toi. Merde à la fin. Ah bah voilà. Un petit ta mère la truite et ça part comme en cas. Allô? Allô? Oui. Il a laissé une feuille de questions pour vous dans ce numéro. Il joue avec vous avant de vous détruire. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Si vous voulez quitter cet endroit, si vous choisissez d'y répondre, sachez que cela le rendra plus fort. Marie-Martine. Attends, tu vas me dire qu'il n'y a pas assez de lettres pour écrire Marie-Martine? Merde. Attendez. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous, l'argent ou la conscience? Bon, l'argent. Vous sentez-vous en sécurité dans votre hôtel? Non. Je ne veux pas répondre aux questions. Ah bah non, mais j'ai fait accepter. Voilà. Mais c'est... Il y a un souci, hein. Bon. Ok. Je vous baisse le son. Alors. Chère merde. Bienvenue dans notre hôtel. Je comprenais pas au début, j'étais en mode, mais Théma, il est en train de m'insulter, le boug. Je comprenais pas. J'étais en mode, mais attends, c'est un truc de fou, le jeu, il m'insulte. Je comprenais pas. Bon, chère merde, bienvenue dans notre hôtel. Nous vous souhaitons un séjour agréable et confortable.
Date du décès inconnue. Vous avez choisi de ne pas connaître la date de votre décès, c'est peut-être mieux ainsi. En tout cas, notre hôtel respecte les choix de ses clients, alors que cela reste un secret. Donc l'argent est plus important pour vous que la conscience, au moins vous êtes honnête, et nous prendrons votre réponse en compte. Et s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas d'être ici, chère merde. La sécurité de nos clients est l'un des principaux objectifs de notre hôtel. Pour preuve, à côté de la télévision, nous avons laissé un cadeau pour vous. Veuillez l'accepter, et nous vous souhaitons un séjour confortable dans notre hôtel. Oh, le cher merde, c'est tellement une masterclass. Ah! Alors ça, c'est problématique. Ah, ça, c'est problématique. Monsieur, est-ce que vous voulez à tout hasard reparler peut-être dans le téléphone? Je ne sais pas, moi je propose. Hein. Bon, je pense qu'on va crever, les gars. Putain de merde, mais qu'est-ce que c'est que cette bestiole? C'est Samara? Oh là là, moi j'en ai marre des jeux comme ça, je vous le dis. Hein. 855 spectateurs pour voir quelqu'un brailler sur un jeu vidéo, c'est quand même assez iconique. Hein. J'en peux plus, moi, de ce type de jeu, les gars. Oh là 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 là. Bah, pilule, je fais ce que je peux, hein. Elle m'a dit quoi, la meuf, au téléphone? Elle m'a dit quoi, la meuf, au téléphone? J'ai rien suivi, moi. Oh, je sais plus comment je m'appelle. Tu m'as pas écouté, moi, qui t'aide en répondant à ces questions. Tu lui as seulement donné de la force. Essaye de trouver un ascenseur, elle me dit. Ah bah super, j'ai que ça à foutre. Vous avez été pris. Vous vous êtes rapproché de la défaite. Ah, elle est là. La Marie-Martine, elle est là. Putain, elle est vive. Hein. Elle est vivace. Hein. Elle fait des petits pas, mais à une vitesse. Attendez, il faut pas que je me fasse attraper par elle, on est d'accord. Hein. Marie-Martine, pas trop le délire. Hein. Donc là, il faut que je trouve une cage d'ascenseur. C'est ça? Ah, c'est la merde. Hein. Il faut que je trouve un ascenseur. Ça craint. Where is the ascenseur? Mais on va se croiser, moi, elle. Je sais pas où est cet ascenseur de merde. Mais quelle complexité! Quelle complexité sans nom! J'ai été tendue telle une arbalète, hein, sur ce coup, les gars. Elle m'a tendue, la gamine. Par contre, si elle est encore là... c'est un peu la merde si elle est encore là. Parce que mon perso n'a plus de pilules. Il y en a là, mais elles sont toutes... Écoutez, moi, je vous propose quelque chose de très simple. On tourne... Je suis sûre que l'hôtel vous a tendu des pièges. À cet étage, choisissez votre chemin avec prudence. Ah ouais, non, mais si c'est... Non, non. Ça vous dit pas en réécoute du Imagine Dragon? Bonsoir. Oh là là. Oh, la trappe con.
Ah, vous le sentez venir? Cette petite odeur de roussi. Ah oh non. C'est ça. Oh putain! Oh les gars! Oh j'ai fait un malaise en plein. Mais comment ça m'emmerdait, Marie-Martine, c'est pas possible. Allô? Ce serait pour porter plainte. Mais comment on fait là? Moi j'ai juste une discu. Comment on fait? Parce qu'elle est là, hein. Moi je veux stresser personne, hein. Vraiment. C'est juste que là on a un peu un problème. You have a problem, hein. For the établissement, hein. Je suis obligée d'aller la voir. Mais c'est horrible! Mais qu'est-ce que je veux lui dire? Bonjour! Tu aimes Imagine Dragon? Enemy, c'est une chanson qu'il y a dans Arcane. Na 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 na. Everybody want to be my enemy. C'est un fou, hein. S'en branle la meuf, hein, j'ai l'impression. Oh non. J'en peux plus des SMS. Si vous entendez des chuchotements dans votre tête, vous savez que vous entendez sa voix. Le molosse profite de la faiblesse et pénètre votre âme comme un parasite. Plus votre santé est faible, plus vous l'entendez. Oh non. Bah là déjà, là, la panique, la panique, la panique. Et nous avons vu près de nous des portes. Des portes à laquelle il n'existe pas de clé. Seulement un mot est capable de les ouvrir. Et dans le poids des mots, spustez. Bon, sachez-le, on est cuit. Hein. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Loin de mon salut sont les mots de mon cri. Je sais pas, si ça c'est une énigme, on est foutu. Hein. Moi, je suis. Ils ont crié vers toi et ont trouvé le salut. Ils ont une confiance en toi et n'ont pas. Quoi? Et n'ont pas été déçus. Mais ça va me donner un code, ça? Parce que mettre corbeau sur son arbre perché, ça peut être un code aussi, hein. Délivrer mon âme solitaire de l'épée et des chiens. Attends, mais ne fais pas croire que je dois trouver un code avec ça, hein. On est cuit. On est cuit. On est foutu, hein. Sachez-le. The end. Là, je vais crever. Oh, le sursaut que je vais faire, je le sens là. Oh les gars, je fais des cercles parfaits. Oh putain. Hop là. Le niveau de santé mentale est tombé à zéro, vous vous êtes rapproché de la défaite. Ah, je croyais que c'était la suite logique que mon perso se fout en l'air. Je me suis dit, bah, c'est totalement logique du coup par rapport à ce qui se passe. Bon. Les gars, est-ce qu'on switcherait pas de jeu?